Seigneur de gloire des tout-puissants, Yondoza plus que Nephtali, Seigneur, parce que c'est toi qui profères des belles paroles. Évangile, Nayo, Yamonde, ma belle parole, Nayo, Kango, à travers la prédication, à travers l'enseignement, Yapo, voilà, de l'Okolo, Kote, Yapo, Bakisa, Koyo, Nazangi, pour la commémoration de la statue parfaite. Et le on a tout le temps ici pour s'abonner. Et non. Continuons l'enseignement sur les sept sauts. Nous sommes au quatrième saut. Et dans l'Apocalypse 12. Nous avions d'abord pris Apocalypse 12. On a compté ce qu'Apocalypse 12 est un langage musulman yabaso. Pour montrer qu'Apocalypse 12 était notre langage de sauts que nous exploitons. Parce qu'il faut dire qu'en écriture, une écriture, ils n'ont qu'à témoigner par les autres écritures saintes. Parce que nous devons savoir que dans la Bible, une écriture est toujours témoignée par une autre dans les écritures.
Et si quelqu'un ne maîtrise pas la manière de travailler de Dieu, souffrir ma casse dans le texte de la Bible, il va beaucoup souffrir avec le texte de la Bible. Parce que même Hébreux chapitre 1er, verset 1er, ça dit quoi? Parce que même Hébreux chapitre 1er, le verset 1er dit ceci. Autrefois, Nathan a parlé à nos pères par les prophètes. Azakoloba à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Donnera un signe. A copé sa vie et mon corps. Et une vierge deviendra enceinte. Moi, si mon congondo a beaucoup manasé. À Tabakosa, la plus de 1000 vierges. Même si pourrait y avoir 1000 vierges. Mais la promesse parle d'une seule vierge. Mais la promesse fait mention d'une seule vierge. C'est là maintenant. Demander de la grâce. D'après la loi, d'après la loi, les jeunes filles se gardent vierges. Mais pour promesse kokisama. Mais pour que la promesse s'accomplisse, c'est la grâce. Ils ont goulou ensemble. Tant qu'il y a qui ont visité Marie, lorsque cela était venu visiter Marie, il manque alors pas qui kenzambe a jeté les regards vers Ngai. Et elle-même a dit que le Seigneur a jeté ses regards vers moi. Nazara il faut mériter. Je ne le méritais pas. Nazo méritait tel l'engalobagi. Je ne méritais pas selon les paroles de Marie. Il faut le bagane mon appelélo. Il faut aussi le dire ainsi même. Batebele baleki biso. Beaucoup de gens sont plus que nous. Mais bon année les gars. Mais pourquoi seulement nous? C'est la grâce. C'est la grâce. Olinguanzambe. L'amour de Dieu. Et ça dit que Nzamba ya kotala. Et cela fait que le Seigneur vient de vous. C'est sa grande miséricorde. Et Zali maona et monene. Batebele basala parfois berer. Et les qui ont mis sauto salité. Et beaucoup de gens ont commis parfois des erreurs qui ont été plus grandes que le nôtre. Mais Dieu a compté bangote pour la miséricorde naïe. Ils ont commis des erreurs plus grandes que les nôtres, mais le Seigneur ne les a pas comptées dans sa miséricorde. Ma c'est béni kotanga yo. Mais il n'y a plus de nécessité dans sa vie. C'est la grâce. Seigneur le bakizango lui en zambé. Et c'est pourquoi il faut travailler. Pour ton salut. C'est pourquoi il faut travailler pour ton salut, bien-aimé. Avec crainte. N'abandonne pas. Et tremblement. Pénakolenga. Vous allez vraiment trop. On s'attache ma case dans la main. Que tu t'attaches vraiment au Seigneur. Yeba qui n'a pas prendre la grâce de Dieu en vain. Et sache que je ne prendrai pas la grâce de Dieu en vain. Ce que le Seigneur a fait. Non, n'a pas prendre quoi en vain. Je ne le prendrai pas sans vain. Il faut servir de tout cœur. Et Seigneur, pour ça, il a ensemble mon thème à nos moments. Ton âme, ton esprit. Molema, molimo nayo. Ton corps. Zote nayo. Élevez le Seigneur. Et tombe l'encolo. Mon âme camonioso comme de la boue. Considère tout comme la boue potopote. Bon excellence, il y a connaissance à Christ. Nicolas qui tombe et amoureux bien Jésus Christ. On s'accroche sérieusement par Christ. Kadama sérieusement dans Jésus Christ. Parce que c'est lui qui a promis la promesse et fidèle. Oui, Dieu a salué la case à l'Issembo. Donc, là, le mec a voulu préparer la place. Comme il avait dit qu'il est allé nous préparer une place, et lorsqu'il aura fini, il viendra nous prendre. Il n'a jamais menti. A dit qu'à la coco sa tête. Soka lobby la chose. Si il dit une chose, il faut que cela s'accomplisse. Qu'on prépare on a c'est l'intercession. Et préparer une place qu'il avait dit, c'est ça intercéder pour nous. Il est assis à la droite et il intercède pour nous. Afin il a pu assembler la caponabis. Azan a besoin d'un autre atteindre la perfection. Il a besoin que toi et moi atteignions la perfection. C'est sa place, Yazali. Il y a bon esika ou yafan. Dans sa perfection. Naboko kibet. C'est pourquoi saint terrain. Il ne reniera jamais ses promesses. Et les grandes choses à l'obi. La grande chose qu'il a dite. A coupé ses vies sur la vie éternelle. Il va nous donner la vie éternelle. A bongisi que toke de kokutana nae. Il a préparé que nous allions à sa rencontre. Na milulu ya monen. Dans les noces de l'agneau. Donc il faut qu'on la sûr na nzambe. Il faut être certain. Dieu. Donc tant aux agananzela au tribunal ya mon numéri. Lorsque nous sommes sur ce chemin, nous connaissons à de qui est-ce que nous avons. Alta aux anakatikati belé ya bate. Bao bazon numéro zambete. Même si tu es au milieu d'une foule d'incrédules, bazon boya kumbwa zambe qui refuse le nom de Dieu, mais yo garde fidélité.
fidélité. Et le Seigneur va récompenser ta fidélité. Quel que soit le problème, même si les problèmes deviennent très difficiles, dis-lui que celui qui fait lever le soleil à l'Orient et le fait coucher à l'Occident et que l'eau vient reprendre même course et que demain encore le soleil reprend la même course. Le soleil à notre course aille toujours. Et comme le soleil ne fait que lui obéir, moi de même je lui obéirai. Aza Dieu fidèle. Aza l'Isambe Bosembo. Ah, il faut que je lui obéisse seulement. Dans ma faiblesse, je me prosternerai devant lui. Na croire que parce que je serai toujours convaincu qu'il ne me rejettera pas comme il le fait pour tous ceux qui s'approchent. Bible le mystère qui se confie à l'Éternel. Renouvelle leur force comme un aigle. Prendre l'envol. C'est ça Dieu. Tu n'as nulle part où aller encore. Les lieux sûrs de ta sécurité. C'est en Christ Jésus. Même si les problèmes s'élèvent de tout. Abandonne-toi entre ses mains. Il ne va pas te rejeter. Abandonne-toi seulement. Approche-toi de tout cœur vers lui. Il va te montrer qu'il est amour. Il va te montrer qu'il ne rejette jamais. En dehors de lui, il n'y a point d'amour, frère. En dehors de lui, il n'y a point de pardon. Approche-toi de lui. En dehors de lui, il n'y a point de victoire. La victoire, c'est lui, Jésus. Dans tout le problème. Et long. La victoire, c'est lui, Jésus. Quelle que soit la situation, qu'elle peut problème, être. Même si le problème est très difficile. Dieu est plus grand que ses problèmes. Mes regards n'ont pas fixé toujours vers lui. Et mes regards seront toujours fixés vers lui. Moïse, dans serpent brillant, va recevoir le peuple. Il avait dit à Moïse lorsque le serpent brillant mordait le peuple dans le désert. Fais-toi un serpent brillant. Il s'allait là au peignon, car il y a soit là. Donc, et Moïse, ça là qui serpent de rein. Peignon, ça là. Moïse, ça là qui n'ont qu'à motaco. Et le Seigneur à l'obaki. Et le Seigneur avait dit, et tout celui qui sera mordu, et s'il jette ses regards vers les serpents élevés, il conservera la vie. Donc, bien sûr, c'est bien sûr qu'on t'a mordu. Ne regarde pas ta morsure. Toi, regarde les serpents d'erreur. Cette morsure-là va sera guérie. C'est ça l'ordre du Seigneur. Quel que soit le problème, et ça là, quand t'as le problème, ne regarde pas ton monde. Montez à l'adoration. Monte à l'adoration. Va vers Dieu. Situation est à ma case. La situation difficile. Tinka moyaka ko adoré. Et laisse cette situation venir à toi. C'est à cause de mon nom. Il n'aime pas faire insulter son nom. Dis-moi beaucoup que le problème aux anges fait changer au nom de Jésus. Crois que le problème que tu as va changer au nom de Jésus. Parce que c'est la promesse du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Dans un texte dans Bible Apocalypse 6. Nous prenons notre texte dans Apocalypse 6. Dans autant de versets 7 et 8. Nous lisons les versets 7 et 8. Il y a quatrième saut. Le quatrième saut. Quand il ouvrit le quatrième saut, oui, pasteur a quoi aidé Bissot. J'entendais la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. J'ai regardé. Et voici pari un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et les séjours des morts l'accompagnent.
Les pouvoirs leur furent donnés sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse les lectures. Amen. Toujours avancer dans le quatrième saut. Nous avançons dans le quatrième saut. Tito Kendekosi, c'est un mot par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que nous allions le puiser par la grâce du Seigneur. Nous voyons ici, on nous montre le cavalier, mon Matipunda. Kombo naye bapesiye, c'est la mort. Le nom qu'on lui a donné, c'est la mort. On avait montré dans l'ombre. Lorsque nous étions dans Exode 14, on avait vu l'armée du Pharaon. Et lui-même Pharaon à la tête de son armée. Et que le lingue basaï qu'on poursuivre Israël. Comment est-ce qu'il poursuivait le peuple d'Israël? Mais le Seigneur a salaki que. Mais le Seigneur avait fait que. Tango Israël a les kaki déjà. Lorsque Israël était déjà passé. A quoi précipiter Pharaon et son armée. Qu'il puisse précipiter Pharaon et toute son armée. Et lorsque Simba Kizakinin. Qu'est-ce que nous avions saisi? Lorsque le Seigneur avait donné la victoire, on avait lu Exode 15. Moïse a monaki ba chevaux nion son akata cheval manko. Moïse avait vu tous ces chevaux là dans un seul cheval. Amonaki ba cavalier nion son akata cavalier manko. Il avait vu tous les cavaliers dans un seul cavalier. Même la prophétesse Marie. Atako mosakoli a moi si. Yaya Yaba Moïse, la grande sœur de Moïse est là. Tamouye Payembaki, dans verset 20e, dans 21, il y a Exode 15. Lorsqu'elle chantait dans Exode 15, le verset 21, à mon avis, tout le cheval manque. Elle aussi n'avait vu qu'un seul cheval. C'est un esprit à prophétie. Oui, Tazala qui n'a moulin moi l'issapoué. À mon avis aussi, mon matipunda gama. Et elle n'avait vu aussi un seul cavalier. Dieu ramène qui s'est passé. Le Seigneur a passé Israël les livres. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur avait donné Israël les livres. Les livres à Israël. Dans toute la loi. Et ces livres. Ils ont prescrit aussi. Et comment na Deutéronome 20. Na Deutéronome 20. Ceux qui ont moni pour se présenter dans le combat. Donc, si vous vous présentez au combat, au moni multitude de chevaux, et que vous voyez une multitude de chevaux, et une grande armée, paix, ma paix, ma minette, pour se souvenir de ma campo, oyo, et les kaki, na Egypte. Souvenez-vous des choses qui s'étaient passées en Egypte. Alors, bien, on a Deutéronome 20, verset 1, tina 5. Vous sonnerez de la trompette. Il avait dit cela dans Deutéronome 20, le verset 4 à 5, que vous sonnerez de la trompette. Et pour vous en souvenir, vous serez en souvenir de tout ce que le Seigneur avait dit. Et c'est ce que tout en a qui n'a bien déjà, tout en a plusieurs fois, dans ce monde qui est un peu basso. Et c'est ce qu'on avait lu plusieurs fois lorsqu'on avait commencé avec le son. Dans Deutéronome 20. Dans Deutéronome 20. Tout en a qui est parti à verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, les sacrificateurs s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis.
que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: On l'avait déjà lu par la grâce de Dieu. Donc c'est que Israël en réalité, a yébaki que dans les rouleaux, connaissait bien que dans le rouleau, l'ennemi a qu'on se présenté sous forme de chevaux. L'ennemi se présentera sous forme de chevaux. Et de la même manière, quand Bazopé sa les rouleaux nakati à livre Apocalypse. Lorsqu'on donne le rouleau dans les livres d'Apocalypse, quand on l'ouvre ce livre, dans Apocalypse 6, nous voyons dans Apocalypse 6 des chevaux qui chevauchent aussi. Mais peuple de Dieu, il y a une promesse. Mais le peuple de Dieu sait qu'il a la promesse. Il faut qu'il a la victoire. Il doit vivre la victoire. Dieu bénisse. Amen. Et toi, avance qui n'a pas le bana différents services. Il y a ennemi. Qui sont des différents services de l'ennemi. La manière à Zoya pour combattre. La manière dont il vient combattre. Tu remarques qui déjà dans Apocalypse 12. On avait déjà remarqué dans Apocalypse 12. Les dragons des diables combattent qui? Qui est-ce que les dragons ou les diables combattent? Azo kundisa la femme ou azana qui en travaille. Les dragons combattent la femme qui était enceinte dans le douleur. Donc en gambo côté c'est qui la femme enceinte? De l'autre d'un côté c'était la femme enceinte. En gambo c'est qui Satan le diable. Et de l'autre côté c'était Satan le diable. Azana 10 cornes. Il a 10 cornes. Et 7 têtes. Excepté. Donc, moi, nous avons déjà dans Apocalypse 12. On avait déjà vu cela dans Apocalypse 12. Il y a un moment qu'on a quatre vassaux. Et c'est ce qui se retrouve même dans le sceau. Maintenant, Apocalypse 12, c'est tout à l'heure, c'est maintenant, Apocalypse 12 nous montre que mission Oyo, Satan, Zaraki, Nayango. La mission que Satan avait. Et Zaraki pour détruire l'enfant, la grossesse. C'était pour détruire l'enfant qui était dans le ventre. Mais tout à l'heure, c'est une promesse. Mais on avait montré la promesse. Na pays oyo kokota, dans le pays que vous entrerez, aucune femme à quoi avorter. Mais moi, si à cause au passé, il y a cause à votre monaki qui est le serpent. C'est pourquoi nous avions vu que le serpent, akoka koboma l'enfant, n'était pas parvenu à dévorer l'enfant mâle. Alors, on attend tout à l'heure. Là, lorsque nous regardons dans le sceau, nous comprenons bien l'Église à Bozanakaka vainqueur. L'Église restera vainqueur. Et ton monaki ses fils. Et nous avions vu ses fils bien aimés. Tant que le fils a cueilli en étoile, lorsque ce fils est parti, puis dans les villes, il est allé s'asseoir dans le trône de Dieu. Tout ma promesse est dans le verset 5. Hein? On a vu les promesses qui étaient au verset 5. Il y a Apocalypse 12. L'Apocalypse 12. Tout mon qui en haut. On a parlé de ces promesses-là dans les églises. L'église à Thyatire. Dans l'église de Thyatire. Dans Apocalypse 2, verset 26-27. Dans Apocalypse 2, le verset 26-27. Et puis l'église à Laodicée. Et on en a parlé aussi dans l'église de Laodicée. Dans Apocalypse 3, verset 21. Dans Apocalypse 3, le verset 21. On a parlé de cela, des promesses concernant des vainqueurs. Par là. Donc les promesses faites aux vainqueurs, verset 5 Apocalypse 12, nous les avions vues au verset 5 d'Apocalypse 12. Donc comprendre que nous avions compris les fils d'Apocalypse 12, c'est un vainqueur. Les fils d'Apocalypse 12, c'est comme ça que nous avions lu dans les Écritures. C'est comme ça que nous avions lu dans les Écritures. Et il est confirmé sur le verset 11. Et cela est venu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Awa, ils ont
Chaque chose doit avoir son ombre. Si quelque chose n'a pas d'ombre, donc elle n'est pas la chose non plus. Donc, réalité. Donc, si tu parles d'une réalité, si tu as la lumière, il faut que cela puisse refléter son ombre. C'est il n'y a pas un autre chemin. La lumière, ce qui touche un corps, il faut lui mettre sa ombre. Si la lumière éclaire un corps, doit refléter l'ombre de ce corps qu'il a éclairé. Et ce que le Seigneur a mis à Pessimiso, lumière sur l'Apocalypse. Et si le Seigneur dit qu'il nous a donné la lumière sur l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est déjà la réalité, le corps et le corps. L'Apocalypse qui est la réalité, le corps du Dieu. Il fait faciliter autant l'ombre. Et c'est là, cette lumière doit te faciliter à voir son ombre dans l'ancienne alliance. Dès qu'on dit Misamake, il a lumière et solo. Et c'est ce qui va prouver ou attester que c'est la vraie lumière. Dès qu'on oui, on a comme on a ombre. Alors nous avions marché comme ceci pour voir l'ombre. On avait pris le pays que le Seigneur avait donné à Abraham. Pays des vivants. Le Seigneur l'appelle le pays des vivants. Tout en a qui Ézéchiel 32. On avait lu Ézéchiel 32. Nazo soit langage encore ici. Je prends encore ce langage. On est facilité, biso toujours. Pour toujours nous faciliter. Verset 24 net. Le verset 24. Là et Elam. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Elam Azali. Avec toute sa multitude. Bena et Touloukouna Ignos. Autour est son sépulcre. Autour est son sépulcre. Bendinga Tinga Kundanaye. Tous son mort. Sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans les pays des vivants. Donc, Bazolo de la puissante nation. Donc, ici on parle de puissante nation. Alors, ici on parle comme de l'empire Médo-Perse. Parce que Perse, Médo-Perse, c'est une puissante nation aussi après que Babylone est payée. Parce que Médo-Perse était aussi une puissante nation après la chute de Babylone. Alors ma puissante nation, Bazalaki, Kolengi, ça Israël. Maintenant les puissantes nations là répandaient la terreur en Israël. Maintenant le Seigneur dit qu'il répandait la terreur dans le pays. A continuer même dans le verset 25. Il continue au verset 25. Sokotani na deux phrases yasuka. Si tu remarques dans les deux dernières phrases, il dit encore de la même. Même en avait moi Nicolo. Même car il répandait la terre dans les pays des vivants. Oui, qui Tolobaki boui. On avait dit ceci. Pourquoi le Seigneur Zabobenga m'appelait à penser qu'Abraham pays des vivants? Pourquoi le Seigneur appelait la terre qu'il avait donnée à Abraham comme le pays des vivants? Parce que m'appelait Wanezalagi était répétition du jardin d'Eden. Parce que cette terre-là était la répétition du jardin d'Eden. Et aussi, Joël 2, verset 3. Vous prenez Joël 2, verset 3. Et comparez m'appelait Wanezalagi dans le jardin d'Eden. Compare cette terre au jardin d'Eden. Lorsque Adam était en vie, il était dans le jardin. Lorsqu'il a désobéi, le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire qu'il a été payé par la, de la mort. Il fallait qu'il les chasse, qu'ils soient dehors du jardin parce qu'il était devenu un mort. Parce qu'il avait désobéi à la loi. Maintenant, Zamba répétant mon amabela pesi. Abraham. Maintenant, le Seigneur l'a répété avec la terre donnée à Abraham. Peuple Yonzamba Zouaki Wana Bana Abraham. Le peuple que le Seigneur avait pris, le peuple donc la postérité, il y a Abraham. La postérité d'Abraham. Selon la promesse, c'est Israël. On l'a dit, c'est Laka Isanine. Soukazana Katia Pinae. S'il est dans c'est son pays. Azana pays des vivants. Il est dans le pays de vivants. Soukato si loi de. S'il désobéit
à la loi, à Kofi, il meurt. Il faut Zamba Bengane à Libanda ya pays. Il faut que le Seigneur les chasse hors du pays. C'est pourquoi le Seigneur a une habitude. C'est pourquoi le Seigneur avait l'habitude de les chasser s'il devient désobéissant. Donc, ce qui maintenant a quitté, si maintenant il laisse la terre, l'écriture est au Kisama Yamwanande Tozwaki, Ézéchiel 37. C'est l'écriture qui s'accomplit. On avait pris Ézéchiel 37. À partir du verset premier, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset premier. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient nettement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Nazu verset 11 maintenant. Le verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et Zali dit là, bien aimé. Et Zali dit, c'est jour des morts. Et Zali loko la boka bawa diwe lo. Oh, ils ont dominé dans ma pays wana. Donc celui qui domine dans ces pays là. Et Zali la puissante nation. C'est la puissante nation. Neti Babylone. Babylone la grande. Yendazakom la mort. Et c'est est considéré comme la mort. Alors ma pays n'y a pas besoin de son pouvoir naïe. Alors tous les pays là qui sont sous sa domination. Et ça c'est jour des morts. Ça n'est biwe l'homme qu'il y a. Parce que nous devons comprendre maintenant quatrième saut. Je veux que vous compreniez le quatrième. Parce que Dieu d'abord déjà tient un beau boyé. Parce que le Seigneur l'avait déjà mis là. Sous une absorbe. Si vous prenez l'absorbe. Dans psaume 89, vous prenez psaume 89. Ici, les psalmistes ont déjà chanté. Lorsqu'ils chantaient son chant. Dans psaume 88 plutôt. Psaume 88. Abaïna verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car mon âme est rassasiée des mots. Nazan psaume 88, Navani na verset 4e, Nankenti na verset 7e. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts. Semblable à ceux qui sont tués. Et couché dans le sépulcre. À ceux dont il n'a plus les souvenirs. Tu m'as jeté dans une fosse profonde. Dans les ténèbres. Dans les abîmes. Donc là, Azon prophétisait. Là, il prophétisait. Moyemi, le psalmiste. Azon lo banalo lenge oyo yo captivité fait animal. Il disait la manière dont la captivité ou la servitude devait se faire. Parmi encore des morts. Mais le Seigneur prend Israël pour les précipiter parmi les morts. C'est comme David aussi a dit sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis. Et c'est le cas de David qui était pémé, ni yama, yama, la Babylone, qui sont au fandaki. Nous plairions. Même si nous salons. En nous souvenant de Sion. Donc ils étaient comme morts. Parmi les morts. What? Dans les séjours des morts. Là, Nathalie s'est dit que la puissante nation, c'est un serpent. Et là, je t'avais montré que la puissante nation de la terre est considérée comme le serpent. Là, tu as besoin qui
Ésaïe 14, verset 29e. On avait pris Ésaïe 14, le verset 29. Ce sont des écritures, faut tozonge la katanios. Ce sont des écritures que nous devions reprendre à tout moment. Boboye baka momalam. Pour que tu puisses bien le saisir. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Na verset 29e. Au verset 29. Ah, baso le bela chute ya Syrie. Ici, on parle sur la chute d'Assyrie. Ne te réjouis pas, pays des Philistins. On s'appelle la terre, Mokaba Philistin. De ce que la verge qui t'est frappée est brisée. Le légué te lingué de Zalaki n'a pas bêta eu boucani. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Oui, te namoussissa, yanyoka, et gomima nyoka, moussousso et zali basilic. Basilic, azanaka serpent. Basilic, c'est aussi un serpent. Bakobe n'appe basilic Saint-Pierre. On peut appeler aussi basilic Saint-Pierre. Basilic Saint-Nanissus. Basilic Saint-Nanissus. Basilic Don Bosco. Mais il faut savoir que basilic veut dire serpent. Il faut savoir que basilic veut dire serpent. Makamba lobisaraba tonamino. Les choses qu'on fait dire aux gens de la bouche. Frappé de la racine du serpent sortira un basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Remarquez basilic en bon à Jérémie 8, verset 17. Remarquez ce serpent basilic dans Jérémie 8, le verset 17. Jérémie 8, au verset 17e. Jérémie 8, le verset 17. Car j'envoie parmi vous des serpents. Et basiliques contre lesquels il n'y a point d'argentement. Ils vous mordront, dit l'Éternel des armées. Ces serpents, ils sont pas basiliques, il faut en avoir dans 2 rois 25. Et ces serpents basiliques, il faut les lire dans 2 rois 25. Ils ont une armée babylonienne. C'était l'armée de Nebuchadnezzar de Babylone. En 2 rois 25. Dans 2 rois 25. Entourer Jérusalem. Ils étaient venus entourer la ville de Jérusalem. Et quand le Seigneur a parlé de la Nebuchadnezzar, et quand le Seigneur parle de Nebuchadnezzar, aussi Jérémie 46 aussi. Vous prenez Jérémie 46. Jérémie 46. Jérémie 46. Dans où Babylone a attaqué l'Égypte. Lorsque Babylone attaquait l'Égypte. Verset 22e. Le verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Là de qui on parlait? Verset 26e. Le verset 26. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Là le Seigneur dit qu'il livrera l'Égypte. Bonani. Pourquoi? Pour l'Égypte, il y a qui pour soutenir. Roi Sédécias. Parce que l'Égypte était venue soutenir le roi Sédécias. Qu'on appelait autrement Matania. Dans verset 17e, il y a 2 rois 24. Dans 2 rois 24, le verset 17. Wawana Matania. Ce roi Matania, c'est il était désobéissant. Mais à ce qui aide dans l'Égypte, pour l'Égypte à soutenir, rien. Pour à se révolter contre Babylone. Il avait demandé l'appui ou le secours à l'Égypte afin de se révolter contre le roi de Babylone. Mais le Seigneur a lobby. Mais le Seigneur avait dit. Déjà dans Ésaïe. Déjà dans les livres d'Ésaïe. Le Seigneur avait déjà dit. L'Égyptien est un homme. Moïse est un homme. Ses chars ne sont pas esprits. Quand l'Éternel étendra sa main. Les protégés, les protecteurs tomberont. C'était la prophétie qui parlait de l'Égypte et du royaume de Juda. Parce que l'on connaît ce tournoi qui n'est pas à pas. Nous sommes à la Zappa. Ésaïe 33. Ésaïe 31. Aux 8 versets 1 à 3.
Nathalie, verset 3e. Amen. Ésaïe 31. L'Égyptien est un homme et nos dieux. Ses chevaux sont chers et nos esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancera. Le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Bonne année. Pourquoi? Zambe alia pinir matanya pas autosate. Le Seigneur voulait punir le roi matanya parce qu'il était désobéissant. Et à permettre serpent y attaquer. Il a permis que les serpents puissent l'attaquer. Roi Babylone. Mokonza Babylone. Égypte alia protéger matanya. Maintenant l'Égypte voulait protéger matanya. Zamba lominayo poko tomber. Le Seigneur lui a dit même toi le protecteur tu chancelleras. Yango. Chemin oyo. C'est pourquoi sur ce chemin de la foi, à ton sentir que osa considérer ma case de l'union. Si tu te sens très considéré par les hommes, osa neti Achitophel. Tu es comme Achitophel. Conseil, et comment le canetti en ta. Donc ton conseil a le même poids que celui de Dieu. Qu'on soutenir les mal. Il ne faut pas soutenir les mal, frère. Si le Seigneur reproche quelqu'un, reproche ensemble avec le Seigneur ou derrière le Seigneur, reproche-le. Quand quelque chose est mal, condamne-le. Au contrairement à la parole. Si tu le fais contrairement à la parole, tu subiras la sanction provenant de Dieu lui-même. Tu ne verras pas comme ça, personne ne peut te toucher. Mais le Seigneur va toucher ta vie. Parce que tu t'es joué avec ces écritures. Avant toucher, le Seigneur te touchera. Parce que tu t'es joué avec ces écritures. C'est ce qu'Égypte avait fait à ces temps-là. Il y a mon esprit puis ta salle qui n'attend pas. Les embaillés ici, les destructeurs avancent. Et tu as le dit, mon bébé, si à Zoya ne tombe pas. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Voilà le verset 22e à Jérémie 46. Là au verset 22 d'Ésaïe 46. Maintenant, à Jérémie 46. Jérémie 46. Maintenant, t'as ici serpent. Maintenant, le Seigneur dévoile ou identifie ce serpent. Maintenant, le Seigneur cite son nom. Il dit, je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Voilà le verset 26. Là, au verset 26. Il y a Jérémie 46. Jérémie 46. Entre les mains de Nebuchadnezzar. Na maboko mon continent. Roi d'Égypte. Mon continent. Donc il y en a dans le verset 22e à l'Obaki. Donc c'est lui au verset 22. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Mon gongo na ezali koyoka na lokola mon gongo a nyoka. Vous aurez la malade. Suivez attentivement. Et Yewana Peaza Kong. Dragon volant. Et c'est le même Nebuchadnezzar qui est comme le dragon volant. Dans Jérémie 51. Dans Jérémie 51. Dans verset 34. Au verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Nebuchadnezzar, Mokota Babylone, a lié Ngaï, a bébé Singaï. Il a fait de moi un vase vide. A Sanikaï, mais qui a pas besoin que l'autre. Tel un dragon. L'olégué Mokona dans la gauche. Il m'a englouti. Yé a Melingaï. Il a rempli son ventre de ce que j'avais déprécié. Il m'a chassé. Il m'a chassé. Voyez le verset 29 comme il y a Ésaïe 49. Ésaïe 14. 14. Fruit à basilic, c'est tout un serpent. C'est tout un dragon. Le fruit du serpent, c'est tout un dragon. Amen. L'Ikambo et Salemi Nakatia Babylone, Yangonez en Apocalypse 12, les dragons volants. L'œuvre qui s'est passée dans Babylone, c'est ce qui se retrouve dans Apocalypse 12, les dragons volants. Maintenant, en dehors, il y a terre, il y a Israël. Maintenant, en dehors de la terre d'Israël, terre, c'est le pays des vivants. La terre d'Israël, c'est le pays des vivants.
Séjour de mort. Si tu quittes cette terre ou si tu l'abandonnes, tu y es dans le séjour de mort. Et dans le séjour de mort, il y a la mort qui règne. Et dans le séjour de mort, c'est la mort qui règne là-bas. La mort, c'est le serpent. Et la mort, en ces temps-là, c'est le serpent. C'est le dragon. Et Zalita la gona. Nous faisons bien. C'est lui la mort, comme la puissante nation qui domine. Le gola. Et puis ça, il y a un pouvoir et personne qui bango. Le pouvoir leur était donné. Même dans temps, même en ces temps-là. Il y a Kolinga qui détruire Israël. De vouloir détruire Israël. En ces temps-là. Vous suivez attentivement les choses telles qu'elles sont. De la même manière, lorsque nous venons dans le quatrième sou, nous voyons Bazolo Bala la mort. Nous voyons, on nous parle de la mort. La mort, c'est la bête. Liwa Ezali Nyamayaouli. Les séjours de mort, Pe Ewe Lotomo Kiliabawa, c'est les 10 cornes. Ezali Maseke Zomi Toba Kondizomi Wana. Les 10 rois. Ba Kondizomi. Ozona na malam. Amen. Eza ba royaume. Ce sont des. Tous une écriture oyo. Nous prenons ces écritures. Donc, tant au total l'écriture de Dieu, lorsque nous avions regardé l'écriture de Dieu, na Apocalypse 12, dans Apocalypse 12, dans la version Sambopé Maseke Zomi. Et sur cette tête, cette diadème. Nicolo Yamitu Naesambo Mitole Zomi. Au moment Nicolo Yama Mitu. Vous voyez sur les têtes. Batie ba diadème et Zagaïlemboa royauté. On a mis des couronnes Mitole et c'est le signe de la royauté. Mais Batie Nicolo Yama 10 cornes de A. Mais ici, on n'a pas mis les couronnes ou les diadèmes sur les 10 cornes. Soko l'Apocalypse 13. Si tu te rends maintenant dans Apocalypse 13, verset premier. Le verset premier. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Si mawana na moni komanda uta maya monene qui avait 10 cornes. Oya salaki na masi. Et 7 têtes. Baby tout ça mo. Sur ces cornes 10 diadèmes. Likolo maseke na ye mitole zomi. Vous suivez attentivement. Ici, le couronne ou les diadèmes sont sur le corps. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Et si c'était des noms de blasphème? Nous allons l'expliquer. Ok, total est l'Apocalypse 17. Nous allons encore dans Apocalypse 17. Verset 9. Le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Awade, mayele ezali na boanya. Les sept têtes sont sept montagnes. Mitu sambo ezali bakomba sambo. Sur lesquelles la femme est assise. Likolo ya wapi mwasi afandi. Soko zumem livre ya histoire ya cinquième. Oui, na sixième littéraire. Si vous prenez même les livres de cinquième et sixième littéraire, Bazolo Belayango, on en parle dans l'histoire de l'Empire romain. Na histoire empire romain. Ngana sombaka livre wana na bibliothèque ya ba catholique. Moi j'avais acheté ces livres-là dans la librairie des catholiques. Bango moko ba milobi. Et même avait parlé de cela en ce qui les concerne. Bon, on a dit que cette tête, bah, tiens, bah, combo, on a cette tête. Et on avait vraiment. Il y a sept collines où ils ont entouré Rome. Des sept collines, montagnes qui entourent Rome. Et ça d'abord, na, ils ont entouré Rome. Qui entourent Rome. Mais ça a deux significations dans les Écritures, ni ange Azopès. Mais cela a des significations dans les saintes écritures. Donc, ils ont dit récemment qu'il y a Rome des femmes wanaza. Cela nous atteste ou nous convainc que c'est dans Rome que se trouve cette femme prostituée. L'Église catholique romaine. Ecclesia ba mupe
na loma. L'église catholique là-bas, ce n'est pas les choses de Dieu. La femme prostituée, ma Bible le dit. Moi, si Ndumba, ou la Nisama, combien Biblia? Verset 10, c'est le dit. Le verset 10. Ce sont aussi sept rois. Et Zalipe, Bakumu Sambo. Donc, sept têtes, on est allé saka, sept rois. Donc, le sept têtes représente aussi sept rois. Donc, et le Belia roi et l'Imotelis aussi royaume qui bokondi. Les langages de roi représentent aussi de royaume. Au moins, il y a une d'Akisana dans Daniel 7, verset 17. Si nous prenons un exemple dans Daniel 7, le verset 17. J'aime lire comme ça pour faciliter ta compréhension. Parce que je ne suis pas appelé à te donner mes raisons. La pensée de Dieu y a mon avis. C'est la pensée de Dieu qui a la vie en elle. Et la pensée de Dieu est cachée dans les Écritures saintes. Et la pensée de Dieu est bon parmi la maquomie. Tu ne peux pas laisser les Écritures pour penser à ta manière. Il faut toujours être par l'Écriture l'interprétation. Il faut toujours que l'interprétation soit par les Écritures saintes. Dans le verset 15. Et les visions de ma tête m'effrayaient. J'ai m'approché de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y a de vrai dans toutes ces choses. Il me l'a dit. Et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront sur la terre de la terre. Quatre rois, quatre rois ne veut pas dire quatre hommes qui sont des rois. Non. Donc, représente des royaumes, quatre royaumes. Amen. Quatre rois. On les a appelés quatre. Mais rois. Quatre royaumes. Qui parle de quatre royaumes. À continuer l'écriture. Il continue. Mais les saints du Très-Haut recevront les royaumes et ils posséderont les royaumes éternellement d'éternité en éternité. Après quatrième roi. Donc après le quatrième roi. Au quatrième royaume. Ou le quatrième royaume. Les saints du Très-Haut bakozwa kiboko. Qui existait du temps des apôtres Jean. Il y a autant que Jean reçoit un message. C'est pourquoi lorsque Jean recevait la vision, cinq sont tombés. On lui a dit cinq sont tombés. Donc Égypte. Égypte. Assyrie. Assyrie. Babylone. Babylone. Médo-Perse. Médo-Perse. Et Grèce. Et l'Empire grec. Maintenant, dans l'ère Rouana, ils avaient qui Rome. C'était l'Empire romain qui dominait la terre. Vous comprenez les tirs, vous comprenez la lecture. Nde ba ebisi que cinq rois sont tombés. Ba kumu mitano isi ba kwea. Et puis ba ebisi. Et puis on lui a dit. Un existe. Moko azali natango o. C'est l'Empire romain. Ezali ne moko tiaba loma. On allait loin. En ces temps-là. Même ndenge azala qui persécuté. Même la manière dont il était persécuté par l'Empire romain. A Bagnokola qui est né na Okonzabaloma. Yé Jean. Lui, Jean. Vous aurez un malam. Amen. Eh bien, c'est que le royaume Mogo est assicoy. On lui a dit, un royaume existe en ces temps. Et l'autre n'est pas encore venu. Mais mon sousou n'a pas yéité. L'autre qui n'est pas encore venu. Mon sous-soyé n'a noté. A vous allez comme septième. Il sera comme le septième. Mais tout le monde a septième en Moab. Mais où est-ce que nous voyons le septième? Sixième, il est dans un verset premier d'Apocalypse 13. Le sixième, c'est lui qui est au verset premier d'Apocalypse 13. La bête, toi. Ouais. La bête. Maintenant, cette bête, toi, il faut un son cas. Maintenant, cette bête-là doit être
doit être blessé. Et cette blessure mortelle parle de la dislocation de l'Empire romain. Maintenant, qui vient remplacer sur le sol? C'est la femme. Et ça, moi, c'est Dumba. Et Babengi, la femme, a ça aussi. Roi, roi, a ça, la royauté, si tous les rois de la terre. On a appelé aussi la femme comme aussi détenteur de la royauté sur tout le roi de la terre. C'est ça le verset 18. Hein. C'est ça le verset 18. Et Apollon 17. Et la femme que tu as vue, mais moi c'est Dumba. C'est la grande ville. Et Zani Dumba Monen. Qui a la royauté sur les rois de la terre. Oyo Azali na bokonti likola ba kumunyo soma bene. Donc Azali est comme la roi des rois. Donc elle est comme roi de rois. Ennemi vraiment à Christ. Vraiment l'ennemi de Christ et Jésus. Vous êtes là maintenant. Vous suivez attentivement. Mais c'est une femme. C'est Azali de moi. L'autorité à Vatican, ils ont dominé sur toute la terre. L'autorité de Vatican, ils ont dominé toute la terre. C'est tous les rois de la terre, c'est ça l'écriture. C'est tous les rois de la terre. Dès les commis. Même si tu es élu dans n'importe quel pays, tu dois faire la course pour aller dans Rome. Chemin, vous savez, je pense que c'est un verset. Il n'y a pas un autre chemin, c'est l'écriture. Aza roi ou Aza la royauté, c'est tous les rois. Cette femme est roi sur toute la terre. C'est la Bible. Et ça dit Bibliya. Nous faisons bien comprendre. Maintenant, dans notre lecture, dans un monde qui est balobi, na 8e et Apocalypse 17. Nous voyons quand nous disons verset 8 d'Apocalypse. La bête qui est que tu as vu était Nyamayaouli Oyomoni Azalaka. Tu sais quoi, Namalan? La bête là était Azalaka. Donc cela veut dire Azalaka qui était Kaza Susuté. Donc elle était comme Azalaka. Elle était. Et elle n'est plus. Azate, les lots, Azate. Donc, tant que Azate, place Naïe Azaki dans verset 1. C'est-à-dire sa place au verset 1. Il y a Apocalypse 13. Apocalypse 13. Au-dessus de tous les hommes. Au-dessus de tous les hommes. La femme a remplacé au-dessus des hommes. C'est la femme qui a remplacé. Parce que maintenant, dans le temps, elle n'est plus. Parce que c'est le temps où elle n'est plus. Mais maintenant, on va bénir Nan. Maintenant, la bête, comment est-ce qu'on l'a appelée? Na verset 10. Au verset 10. Dans le verset 11. Il y a Apocalypse 17. Et la bête qui était Peignama Oyazala. Et qui n'est plus. Et elle-même un 8e roi. Donc après cette. Donc la bête qui n'était plus réapparaîtra comme 8e. Le col à mon compte à moi-même. Et elle est du nombre de 7. Azalaka na kati kati ya mitu samboana. Donc Azalaka. Donc elle est. Nakati un nombre à 7. Donc nakati ya mitu samboana. Donc Azalaka comme 6e. Donc elle est comme 6e. Tango Azalaka. Lorsqu'elle n'est plus. Place à 7e. À la 7e. La femme a tombé. C'est la femme qui s'élève maintenant. Mais Balobi Betouana. Maintenant, de cette bête. Avant la 8e. Elle sera 8e. Mais Azaki déjà un nombre à 7. C'est Azala qui n'a qu'à t'a mis tout ça. T'as la bien. Yamoba est bien. Et c'est ce qu'on te dit. Yamoba Zotali Sayoboya. C'est pourquoi on te montre ceci, bien-aimé. Okonzi na ma bene kozonga toujours na Europe Unie. Le ou la royauté ça, ou, la domination de la terre va retourner là-bas en Europe unie, l'Empire romain. Les hommes en États-Unis. Aujourd'hui, ça se voit comme si c'est les États-Unis d'Amérique. Mais il faut Yazali comme Nagata 7e. Mais il faut que celui qui est parmi les 7 voilà, retiré pour 8e à tombe. Soit retiré pour que le 8e s'élève. Tous ceux qui ont la malade. Amen.
Est-ce possible, madame, n'est-ce pas? Est-ce à la mort? Na séjour des morts. Et au séjour des morts. Na ombre, ton mona qui la mort, c'est tout un serpent, c'est toute une bête. Dans au-dessus de tout. Dans l'ombre, nous avions vu les serpents, la bête au-dessus de tout, comme la nation qui dominait toutes les nations. Et ma nation, sous baza comme alliés naïe, séjour des morts. Et les autres nations qui sont ses alliés comme des séjours de mort. Maintenant, il y a un mot à voir maintenant. Maintenant, ici. Dans le verset 16. Au verset 16. Les picornes que tu as vues. Et la bête haïront la prostituée. La dépouilleront. Oui. Et la mettront en nu. Mangeront ses gènes et la consumeront par le feu. Donc, c'est la bête. C'est la bête, bien aimé. Ouais, qui est sixième. Qui était sixième. Donc, Éden n'est plus. Azalaka, mais Azalaka se déplace les arbres remplacés par une femme. Et à sa place, c'est une femme prostituée. La prostituée. Prostituée. Mais tant qu'on réapparaîtra comme huitième. Mais lorsqu'elle réapparaîtra comme huitième. L'apparition d'ailleurs, il doit haïr la prostituée. Dans son apparition, la bête doit haïr la femme prostituée. Il faut dépouiller la prostituée. Pour tout l'aïmo continue, soit ça la kinambo. C'est pourquoi nous avions vu ces signes dans Daniel 11. Ma faux Dieu. Banzambé à l'Okuta. Ma nation qui ont ce bazar la faux Dieu. Toutes les nations qui ont des idoles. C'est pourquoi nous ce bazar là, c'est ma Satan. Et tout cela ne sont que derrière Satan. Mais roi, mon co. Mais un roi. Aza hostile d'Alliance Sainte. Yé Alinaka. Où est-ce que vous avez gagné sans tout être? C'est Kazan dans ma Satan. C'est-à-dire, ces rois-là aussi du côté de Satan. Mais abandonné qu'on humilie ma faux Dieu et tout. Mais ces rois-là qui est du côté de Satan commencent à humilier encore d'autres faux dieux qui sont du côté de Satan. Azar a besoin de. Il a besoin de quoi? Dieu. Que lui-même soit appelé Dieu de toute la terre. C'est la chose où est dans l'Apocalypse 9. Les alliés, l'eau est possède dans l'Apocalypse 9. Parce que la bête au temps va se réapparaître dans un abîme. Parce que lorsque cette bête réapparaît, elle provient de l'abîme. T'as l'attente dans un abîme. Maintenant, regarde sa provenance de l'abîme. Apocalypse 9. Apocalypse 9. Toutes les nations. Qui était comme des puissantes nations sur la terre. On l'avait fait voir dans Ésaïe 14. Que dans Mouzan, Bazolo de la chute d'abord, il y a Babylone. Que lorsque le Seigneur parlait de la chute de Babylone, Babylone, Tangouza précipité. Lorsque Babylone est précipité, le trône de Nebuchadnezzar est précipité. Le trône de Nebuchadnezzar précipité. A Kenda, vous avez déjà le trône Moussous dans ces jours de mort. 14. Vous voyez Ésaïe 14 à partir du verset 3. À partir du verset 3. Tine verset 17, Bazolo de la chute à Babylone. Jusqu'au verset 17, on parle de la chute de Babylone. Les prophéties. Les alliés qui parce que épaissement qui. Cette prophétie était annoncée avant même l'arrivée de Babylone dans la domination du monde. C'est le Seigneur qui avait parlé de sa chute. Au moins verset 3. Le verset 3. Nazu verset 4. Je procède d'abord. Le verset 4. Il y a Ésaïe 14. Alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Qui dira Okolobaka? Et quoi? Eh? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Donc, Bazo le Bela, roi
roi à Babylone. Ici on parle sur le roi de Babylone. Mais la tango yazos à la précipité. Mais donc lorsqu'il est précipité, verset 9. Le verset 9. Les séjours des morts se meurent. Jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Tous les grands de la terre, il fait lever les trônes. Tous les rois des nations, continuons sur Nicolo. Tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force vraiment. Comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec le son de tes lutes. Sous toi est une couche de verre. Et les verres sont à couvertir. Et voilà tombé du ciel. Astre brillant. Là, qui sont en train de dire cela? Les autres rois qui étaient déjà précipités avant Babylone. Donc, le roi d'Assyrie. Donc, le roi d'Assyrie. Le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Babylone, Babylone, nous allons précipiter. Pourquoi Babylone précipité dans les séjours des morts? Toi aussi. Toi, Taïo. Toi aussi, tu es sans force, capable de résister ces dieux-là. Tu es de notre côté. Tu es tombé. Amen. Amen. C'était la chute des nations. C'était la chute des nations. De la donc, quand vous verrez Babylone a tombé, lorsque Babylone est tombé, dans les profondeurs de la terre, dans la terre, c'est. Mais nos pères qui est élevé. Sur la terre là-bas, c'est une autre nation puissante. Mais nos pères qui sont. Mais nos pères, ce pouvoir n'est pas aussi là. Lorsque le pouvoir de mes nos pères cessera, il doit être précipité aussi. Il peut s'éguer, il va bambayer dans ma terre. Avec le coup dans les autres rois. Il va encore trouver d'autres rois. Dieu s'est venu. Il peut y avoir. Aux autres, madame, moi. Vous suivez attentivement. Le lingue moko quand on dit la bête qui était n'est plus. De la même manière quand on parle Niyama Yaoulu Asalaka Asali Susute, il est allé dans les abîmes. A qui n'a mis sa tête. Mais la, le programme de Dieu le dit que il doit remonter. Mais le programme de Dieu dit que cette bête-là doit faire surface, doit remonter. Amen. Yangon attaque Niyobo et pour avoir sa mena. C'est pourquoi j'aimerais te lire Raymond, la bête qui remonte d'Apocalypse 19. Maintenant, tous les services de la chute ou de la précipitation. Comme la puissante nation sont des serpents. Comme les puissantes nations sont des serpents. Quand une puissante nation est précipitée. Quand une puissante nation est précipitée. Bah, on reprend le langage. Te voilà tombé du ciel. On reprend le langage sur Satan. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Mon Dieu, tu es comme Genga. Et qui était tombé du ciel sur la terre, la clé du prix de la mine lui fit donner. Et n'importe quoi pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir lui fit. Clé c'est un pouvoir. La clé c'est la, le pouvoir. Et elle ouvrit le prix de la mine. Et Fongola qui libula misanda mine. Et il monta du prix, il fit mine. Puis et matin qui outa misanda mai. Comme la fumée d'une grande fournaise. Pourquoi les aboyés? Pourquoi les choses sont ainsi? Cela veut dire jugement mon roi, c'est ça les maquis déjà. Cela veut dire il y avait un jugement qui s'était déjà passé. Nous faisons. Et ce jugement-là de Dieu, c'était le chute de ces puissantes nations. Parce que le Seigneur a comparé le jugement à un brasier, parce à une fournaise. Le Seigneur compare ce jugement au brasier. Monto, Yamakala, Yalituka. C'est Esaïe 66, verset 15 et 16. Il dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre.
Ni à aucune vertu, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Bien-aimé, la terre est qui séduit par les vins de la prostitution de la femme. Or, la terre était séduite par les vins de la prostitution de la femme prostituée Babylone. Donc, des habitants de la terre, donc les habitants de la terre, Bazalaki comme Baoyobazo tombe dans les vins. Il y a prostitution. Ils étaient comme ceux-là qui élevaient le vin de la prostitution de Babylone la grande. Mais il faut n'ayez pas maintenant que. Mais tu dois savoir, bien-aimé. Israël. Ezalaki déjà n'a enseignement par les désirs. Avait déjà. Nathan, oui. En ces temps-là. T'en souviens, la malade? Amen. Maintenant. Maintenant, les souterrains qui proviennent de la fournée, de la fumée de la fournaise. Donc, bazalaka brûlé. Donc, batumba manga déjà kala. Mais bazo zong. Maintenant, ils reviennent encore. On avait déjà lu toutes ces écritures, même Deutéronome 28. Maintenant, awa bazo touché. Bataso de Dieu. Maintenant, ici, on ne touche pas ceux qui avaient le sceau de Dieu. Donc, étape à Liboso, la première étape, bien quand bien. La bête qui n'était plus, quand Nyama Yaoulu a sala qui se souvient, et qu'un abîme poison, et qu'elle provient de l'abîme pour monter à terre. A Koyana nous qu'on dépouillait la femme prostituée. La bête viendra d'abord arracher tout le pouvoir de la femme prostituée. Asana n'a problème, il y a pas de marquer des sceaux de Dieu. La bête n'a pas d'abord de problème avec ceux-là qui étaient marqués du sceau de Dieu. Vous avez maintenant des choses classées. Vous suivez comment les choses sont classées, bien-aimés. C'est extrêmement avec les rois. Asana qui hostile l'alliance sainte. Et ça dit, nous l'ignorons comme au contraire, Asana qui collinga mon cani en Zambie. Asana a besoin à cause de la connaissance de tous les dieux. Il avait vraiment besoin d'être placé au-dessus de tous les idoles et tous les dieux de la terre. Osora Namala, moi, vous suivez attentivement. Ah, parce que ce côté ali awawa. Parce que en ici. Description les arbres. La description qui est ici. Il y a un moment dans Joël chapitre 1er. C'est la même qui est dans Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Ah. Il faut des mots tanaka la Bible. Il faut avoir l'habitude de pour comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la parole. Au moment na Joël 1. Vous voyez dans Joël chapitre 1. Baso présenté par sauterelle à un verset 4. Ici, on présente les sauterelles au verset 4. C'est quand l'essai de Gaza. Oyo Gaza m'a dit qui. La sauterelle l'a dévoré. Sauterelle a qui a lié. C'est quand l'essai la sauterelle. Oyo Liban qui a dit qui. Le Jelek l'a dévoré. Jelek a lié. Et c'est quand l'essai de Jelek. Et puis le Jelek a dit. Le Asile l'a dévoré. Asile a lié. Yon soroy en réalité, ça va la sauterelle. Donc, tous ces petits insectes ici. Ne sont que des sauterelles. Maintenant, remarquez, au moni, ma sauterelle oignons. Vous voyez toutes ces sauterelles ici. Talané, ils sont présentés au verset 6. Écoute comment ils sont présentés au verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Oui, que l'imota moko yé la koko yé la nebe ba minou na ba mwe zala ki loko la ba kosi. Ils ont sauterelles, mais dents de lion. Donc, des sauterelles avec des dents de lion. C'est dans Joël. Donc c'est dans Joël. Amen. Et c'est pour ça qu'on a verset 6. Nous venons de lire au verset 6. Parmi armée où ils ont fondre les colons à pays, l'armée qui fond sur le pays. Ils en ont dans des lions. A des dents de lions. Or armée où ils ont sauterelles. Or cette armée là c'est la sauterelle ou des sauterelles. Amen. Ceux qui ils ont dominé ils en ont gloire. Si cette armée domine avec sa gloire, gloire est comme chevelure à femme. La gloire, c'est comme des longs cheveux de femme. Ozola Namala, suivez attentivement. Sokaza na autorité. Si elle a l'autorité. Batali Saga aussi l'homme. On représente aussi l'homme. Et c'est Ozola Namala. Amen. Awa Nazo Zouakaka. Ici,
je prends seulement la manière dont les sauterelles proviennent de l'abîme. La bête qui réapparaît. Et tout cela forme la bête Nyamayaoulazo Pima Lissousou. Pour égosangisa ba puissance nyonso ezala qui avant. Parce que cela va rassembler toutes les puissantes qui les puissances qui étaient avant. Ezala na kati na yango poisa la musala. Et toutes ces puissances doivent être en elle pour le travail. Est-ce que vous aurez un nom malam? Amen. Donc l'autorité, le lien de travail qui est en Égypte. L'autorité, la manière dont. Na Syrie. Donc Satan veut travailler en Égypte. Na Syrie. Na Babylone. Dans Babylone. Na Nan. Parce que. Dans Médo-Perse grec. Ma autorité, nous sommes tous retrouvés dans le séjour des morts. Toutes ces autorités-là se retrouvent dans le séjour des morts. Na ma trône, na go. Avec leur trône là-bas. Tango azalagi na monde akwei, ba mokuta na vraiment. C'est selon les écritures d'Ésaïe 14. C'est selon l'écriture d'Ésaïe 14. Mais ils vont retourner. Donc ils vont retourner. Dans Apocalypse 9. Dans Apocalypse 9. Aujourd'hui, sois autorité, Dieu de toute la terre. Ah, ça va comme Dieu de toute la terre. C'est ça le rôle à 5 mois. Et c'est ça le rôle de 5 mois. Et après, avant que les mots s'attaquent, et après, la bête ira s'attaquer à Jérusalem. Na Jérusalem. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, là, il faut que là, tu dois savoir ceci, bien-aimé. Na kati a parlé, soka mati, dans son parler, si la, dans le parler, si la bête monte de la Bible. C'est la même bête qui va tuer le deuxième qui prêchait en Israël. Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 11, le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible. Monter de la Bible, mais en tant qu'on va apparaître comme huitième roi. Donc, monter de la Bible, c'est lorsqu'elle apparaît comme le huitième roi. Tout ce qu'on a mal à moi. Amen. L'heure fera la guerre, les vaincra. A Kobundisa, Sakolwana Mibale, Pé à Kolomba Bango. Et les tiera. Pé à Koboma Bango Mibale. Voilà, ministère n'a pas voulu ceci. Parce que leur ministère a déjà pris fin. Donc ils ont déjà fini leur ministère. Donc on va facilement les tuer. Ce qui peut mission en Ghana aussi, si ta mission, si ma mission et la tienne prennent fin, attends les quoi c'est pour vous manda. Même la gale peut me tuer. Quoi ça va manquer y a. La gale, une petite gale sur la peau. Ça y est quand moi les quoi c'est dérangé qui est. Il n'avait que la gale sur la peau, une petite gale. Les tirs, les bombiers. Bonjour, c'est Moussa. Parce que tu as déjà fini ton ministère, ton service. Suivez attentivement. Et ils avaient un ministère très puissant sur la terre. C'est pourquoi lorsque la bête provient de l'abîme et qu'Assali guerre contre Bango a vaincre Bango et qu'il a fait la guerre contre ces deux prophètes et les vins, maintenant qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Verset 3. Le verset 3. Et Apocalypse 13. Apocalypse 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Donc cette blessure à mort, c'est comme la bête qui n'est plus malgré qu'elle était. La bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ces paroles ici seront dites par toute la terre. Bonne année. Pourquoi?
pour la bête qui monte de l'abîme a commis des oins. Parce que la bête qui monte de l'abîme a tué les deux oins. Parce que les deux oins vont faire trembler la terre. Parce que les deux oins feront trembler la terre. Vont châtier la terre dans toutes sortes de fléaux. Les deux oins vont châtier la terre par toutes sortes de fléaux. Donc quatre trompettes, où est-ce en Apocalypse 8? Donc les quatre trompettes qui sont d'Apocalypse 8. Ils ont mis à l'air, il y a des oins. Sonne, va sonner du temps de deux oins. Il faut frapper la terre. Pour frapper la terre. Mais tant que la terre a commandé à Moutouille, a bombé des oins. Mais quand la terre verra celui qui a tué les deux oins. Mais Bakoulobake, qui est semblable à cet homme? Maintenant, il n'y a pas pour gagner à Moutouille. Non, il y a Koko Bundisa même, qui peut combattre? Contre la terre entière adorer. Ma belle mon bimbe ko sapela kanya mana yauli. Parce que on y a pensé par victoire. Parce qu'on a vu la bête leur donner la victoire. Osora na malam nengezali. Vous suivez attentivement. Yango omoni. C'est pourquoi tu vas remarquer. Na zuila ki yo texte ya tango a Gédéon. Pourquoi? Pourquoi je t'avais pris les textes du temps de Gédéon? Pour permettre un peu ce bureau d'écriture pour et l'eau est à garantir les écritures. Permettez-moi de vous donner l'écriture parce que c'est les écritures qui sont importantes. Omoni Esaïe. Vous voyez le prophète Esaïe. Chapitre 10. Les livres du prophète Esaïe au chapitre 10. Sokozu Esaïe. Si vous prenez Esaïe. Ici on parle de la chute de la Syrie. Tant que chute la Syrie est au salement, lorsque la chute de la Syrie s'appelle, la Syrie avait le pouvoir avant que Babylone soit pouvoir. La Syrie avait le pouvoir avant Babylone. La chute n'a pas monnionso et qu'endagatina chute ya souka ya bête. Toute leur chute ne représente que la chute de la bête qui viendra dans la suite des temps. Nous nous faisons bien comprendre. Il y a encore remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Na verset 24. Au verset 24. Na 26. Et na 26. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Esaïe 10. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Oh mon peuple qui habite en Sion. Ne crains pas. Il te frappe de la verge. Et il lève son bâton sur toi. Comme faisait. Ils avaient divisé en trois groupes de 100 hommes. Et Gédéon avait un groupe de 100. Et Gédéon s'était réservé un groupe de 100 soldats. Le Seigneur a dit. Le Seigneur dit. Que j'avais frappé de la même manière je ferai tomber aussi la Syrie. C'est pourquoi je vous montre que les trois groupes de sang, cela veut dire les trois prophètes, les témoins. Premier groupe de sang, c'est Élie. Deuxième groupe de sang, c'est Moïse. Et tout le monde qui est y a Batokama, Eli, Yami Balé, Mose. Troisième groupe, Oazaki avec Gédéon lui-même. Et tout le monde qui est mis sans qui est Gédéon. C'est l'Éternel. Et ça dit Yahweh, mon Armageddon. Non, bataille Armageddon. Alors, dit chute, on a vos il a dit la chute que j'accomplis. La Syrie. Sur la Syrie. Et ça, le lingue n'a quoi ça qui m'a dit. Comparable à la chute de Matian au rocher d'Oreb. Oreb Oeza et Oreb a acheté. Oreb ici ce n'est pas Oreb là du désert. Oreb Oeza O-R-E-B. Azali roi. Donc, roi Madian. Oreb c'est le roi de Madian. Aza Elembo ya bête. Il est le signe de la bête. Parce qu'il était tout un roi. Parce qu'il était tout un roi. Bazalaga mi balen à place ouana. Ils étaient à deux.
na Zeb. Zeb. Zeb balobi ezala na pressoir na Zeb. Zeb on parle de kokamo lesika kokamo la. Azalaki elembo ya faux prophète. Il était le signe du faux prophète qui viendra dans la suite des temps. Oui, parce qu'il y a un signe à place à pressoir. Parce qu'il est là où on presse makamo la kavinyo. Ah, on a surtout relevé la petit à petit. Tout cela nous en parlerons petit à petit. À continuer le verset 26. Il continue en disant. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer. L'olenge moko a tout bola qui t'était na eli kolo ya maya monene. Oyemi la mer rouge. Tu connais la mer rouge. On a ma continue comme pharaon. La mort n'a fait entrer l'histoire de pharaon là-bas. Abi yaka na mopeao. Il dit amène aussi cet événement ici. Il élèvera encore comme en Égypte. Sous le col à l'Égypte. Ok, il n'a pas frappé l'Égypte avec des fléaux. Maintenant, tu retournes encore là-bas. Comment il frappait l'Égypte avec des fléaux? Amène ça aussi ici. À ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule. Père, Kumba na ye ya moloko et kolongwa na kingo na yo. Bonjour, Namana. Amen. Yango mani sota ki verset 33. Voici le Seigneur l'Éternel des armées brise les rameaux avec violence. Donc le Seigneur entre dans la forêt. Seigneur, que vas-tu faire dans la forêt? Je vais seulement couper les rameaux de la forêt. Les rameaux le Seigneur entre seulement dans la forêt pour briser les rameaux avec violence. Et pour laisser qu'un rameau puisse sortir du tronc d'Isaïe. Voilà, c'est Christ le Messie. Là, c'est Christ le Messie même. Ah, c'est merveilleux. Amen. Maître, okay, on va petit à petit par la grâce de la Syrie. Et chute à Syrie, à Momoko, chute à Babylone, la grande Apocalypse. Et la chute de la Syrie, c'est la même chute de Babylone, la grande dans Apocalypse. Il faut moins trois corps. Il faut voir trois corps d'armée, trois groupes de sang. Et tant où Elias a la Yibokende. Et lorsque Élie partait, Élisée a tali Elias Okende. Élie a observé Élie monter au ciel. Une définition à Élie. Il nous a donné la définition d'Élie. Mon père. Tata Nangai. Mon père. Tata Nangai. Char d'Israël et sa cavalerie. L'Italo ya Israël n'a ma pita basoda nango. Un prophète a sa toute une armée. Mosako ya Zali ma pita basoda penta. Donc il y a dans mon armée de sang. Donc quand tu vois armée de sang. De sang. Armée de sang. C'est tout un prophète. Et ça, Mosako ya tout un prophète. Yami Bale. Tout un prophète. Mosako ya Misaki. Et sa cavalerie. Pima pita. C'est pourquoi ils avaient des trompettes. Parce que les désoins sonneront des trompettes. Oui, tu vas te dire que tu vas de trompettes. Yahweh a la quelle à mon nez dans ma belle. Les Alakanes Aïe 27. Trompette éternelle dans la voyage sonner. La trompette, quand l'éternel viendra, la sonner. Pour l'Armageddon. Pour la bataille d'Armageddon. Et vous allez vous cerneront devant l'Éternel. L'adoration est au bas. L'adoration commence. Et sur la montagne sainte à Jérusalem. Sur la montagne sainte de Jérusalem. Tamonini trompette aux obéta. Quand est-ce que ces trompettes sortent? Verset premier, il y a Esaïe 27. Le verset premier d'Esaïe 27. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dire la grande forte. Et paix les Léviathans. Ça me a commenté que mon panga naïe ya makasi monene ya mokasi nyonso. O ezali elima. Les serpents fuya. O ezali nyoko akimaka kimaka. Les Léviathans serpents tortueux. Elima nyoko azanga lo Léviathans. Et il tirera le monstre qui est dans la mer. Mais à komoma elima o yazana katia mai ya monene. La grande mer, c'est seulement toutes les nations, tout le peuple. Mais il y a un monstre. La bête avec sept têtes et dix cornes. Vient de tirer avec son épée. L'épée pour l'Éternel. L'épée pour l'Éternel. L'épée pour Gédéon. L'épée pour Naïs Gédéon. Et vous allez appeler grande trompette. Et vous allez appeler.
ce sera la mort du serpent fuyant. Et vous allez liwa nyoka ya kimaka kima. Et à ce temps-là, verset 2 le dit. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Boyemba loyembo moko likola vigno. Waneza libayemba loyembo pour la délivrance à Israël. Là, on chantera le chant pour la délivrance d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola bino. Et que Dieu a salé la yota mounio sobola ma bomba yo. Et que le Seigneur te fasse tous les jours du bien et te garde. Alongi sayona nyonso. Et qui te donne la victoire en tout. Yé moko atele ma liboso na yo. Et lui-même s'élève devant toi dans le combat. Ako kisela yo bola moumi. Et qui t'accomplisse tous ces bienfaits. Que la paix du Seigneur est en toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Seigneur, je sais que vous allez en bien à vos morts. Seigneur, je sais que tu es le Dieu vivant. Seigneur de grâce. Tu connais la vie de tout un chacun, Seigneur de grâce. Vous allez en bien à Ngoulou. Toi, tu es le Dieu de grâce. Libanda na yo mokondi mswa zalité, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point un autre roi. Tala monte ma ya sœur. Regarde le cœur de mon frère. De mon frère. Regarde son désir. Azala exaucé. Qu'il soit exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce opère le miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais prier. Na sa pour. Ah.